Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy VII Remake. J'enchaîne avec le tournage de l'épisode 1. Donc on reprend là où on en était. Et du coup, on doit fuir le réacteur Marco. On vient de battre le boss Scorpion. Hein. C'est parti. On doit s'enfuir du réacteur Marco numéro 1 qu'on vient de défoncer. Donc on va faire l'effet Savarette. Voilà. Avec le chrono qui nous met un peu la pression. Quelle plaie. C'était couru d'avance. On s'est mis un petit challenge avec 20 minutes. Hein. Mais bon, ça devrait le faire. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Ma jambe est restée coincée. Ah, pendant les scènes cinématiques, j'avais pas fait gaffe à ça, mais le chrono s'arrête. D'accord. Ce qui est pas très logique. C'est par ici. En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. La sortie est par là. Dépêche-toi. Ah, 2 secondes. Coffre, hein. Je prends le coffre. Eh, je me dépêche. Tu vas te calmer. Hein. Non mais oh. Dépêchons. Eh oui, dépêchons. Tu gaspilles ton souffle. Voilà, voilà. Mais non, si je pars pas, ça me stresse. Fais comme tu veux. Si je parle pas, ça me stresse. Oh, Barrett qui arrive de l'autre côté. Rien. Et maintenant? Tu pars devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Et vous? J'ai un super soldat avec moi. Eh oui. Ancien super soldat. Et voilà. Faut les arrêter. C'est pas nous emmerder. Ça va bientôt péter. T'inquiète pas. Ça prendra 5 secondes. Faut vite rejoindre les autres. Sortons d'ici avant. Allez, on enchaîne. Alors là, on va croiser un type d'ennemi qui est vraiment badass. Et très chiant. Ah oui, et puis on va re-rencontrer un. Bientôt le mettre en choc. On y va, et on va le finir avec ça. Voilà. On n'a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même, non? Si, si.
rappelais pas qu'elles y étaient. Ok, on est bon. Si tu le dis. On va faire arrête, sort, soin sur Cloud. Voilà. Alors ici. Casser. Y a rien. Alors voilà, là les fameux ennemis très chiants. Il suffit de leur faire un sort de feu pour les défoncer. Et surtout, on a barré de passer level 8. Ça, c'est cool aussi. Faut pas que je me relâche. Ah, j'ai toujours pas ma barre de. Alors attendez, sort feu sur. Sur toi. On y va, t'es foutu. Alors je crois qu'on a tout eu. Ah non, pas allez, du tout. Ensemble. Ouais, laisse-moi faire. Allez, casse-toi. Il reste les tourelles là. Voilà. Alors, on va faire un petit sort de soin sur Cloud. Et on est reparti. Et voilà, on est sorti d'affaire. Bien. Eh oui, Ashinra dans toute sa splendeur. Self-control, Barrett. Self-control. Voilà, c'est ouvert. Hop, c'est bon. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui sont repop ici? Pas du tout. Encore? Ça va aller? Bien sûr, attends. Des criants de vérité.
Donc, ce qui était une toute petite explosion pour arrêter un réacteur devient une destruction carrément de réacteur grâce à la Shinra. Voilà, une petite entrée en matière. Ah, c'est bien parce qu'on voit les trophées s'afficher du coup. Et c'est bien aussi parce que pendant les temps de chargement qui sont un petit peu longs, mais c'est lié aussi à la machine, hein, on a des petites infos. Tout le monde est là. Et on passe au chapitre 2. Bah, on s'en est bien sorti alors. T'y es pas allé un peu fort là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Il y a plein de câbles sectionnés. Faites attention. Alors, je vais juste faire un petit réglage. Réglage, son. Juste passer les bruitages à 7. Voilà. Et ça devrait être bon. Ah, ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Oh, sérieusement, ça chlingue grave, là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais... ça vient de moi. Faut dire que j'ai eu une bonne dose de sueur froide. J'en ai le ventre qui ballotte, là. Ça n'arrête pas d'exploser. Sortons avant que ça nous tombe dessus. Vu la densité de Mako, sans catalyseur, à moins qu'il y ait eu de la poudre. Jesse, on verra ça plus tard. Non. Oh. J'ai l'estomac qui arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Eh ben la prochaine fois, j'apporterai un casse-croûte. Wedge, c'est encore loin? Non, on y est presque. Allez, deux potions, on en a utilisé pas mal. C'est les éthers aussi que j'ai consommé, hein, sur le boss. Oh, c'est pas grave. On devrait pouvoir sortir par ici. Bien, reculez, je vais faire sauter les portes. J'ai hâte de retrouver Marlène. Moi, dès que je rentre, je me douche. Ok, tu peux faire péter. Ça y est, c'est prêt. Elle aime bien faire sauter des trucs, hein, Bougez Jesse. Bougez-vous les oreilles. La reine des explosifs. Allez, c'est bon, c'est ouvert. Moi, tout ce qui me gêne, je le pulvérise. Bon, allons-y. Voilà, tout ce qui la gêne, elle le pulvérise. Elle a dit la dame. À l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Le réacteur Mako numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiqué. Les explosions secondaires continuent de se produire, entraînant de nombreux incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés zones sinistrées par les autorités. Les dégâts subis peuvent entraîner l'effondrement de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Oh non, c'est pas vrai. Alors là, je m'attendais pas à ça. On a un peu abusé, je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé. Et on en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission, celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Ha ! Vous en faites pas ! Allez, mettez-moi tout sur le dos ! Vos craintes ? Vos doutes ? Vos petits soucis, sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. Un coffre bien en évidence. S'il n'y a rien d'autre, je dois suivre la route d'évacuation. Un éther, parfait. On va prendre le dernier train à la gare du secteur 8. On se retrouve tous au wagon de marchandises. Ok, à plus. Hey. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la mission. Coucou. Regarde, je suppose que tu sais ce que c'est. Une matéria de soins. Oui, je connais. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. J'insiste, s'il te plaît. Si je suis là maintenant, c'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout vu. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? Alors, on va faire le tuto, même si je sais déjà comment ça fonctionne. Là, on va devoir insérer la matéria soin dans l'épée de Cloud. Donc c'est parti. Donc voilà, on nous demande de sélectionner le truc, on sélectionne ensuite triangle pour insérer des matérias, on sélectionne un slot libre, on appuie, on met, c'est fini, c'est torché, merci le tuto. Alors il y a un système de leveling des matérias, vous voyez que là par exemple, là je suis sur la soin ou la feu, c'est pareil, il y a PC 0 sur 300, au fur et à mesure qu'on va faire des combats, on va gagner des points de compétences, enfin des PC, je sais pas si c'est compétences, mais... Et chaque fois qu'on va atteindre un palier, on va passer de niveau notre matériel, c'est comme dans le jeu original, hein. Et on va débloquer des nouvelles capacités, en l'occurrence sur feu, j'aurai extra feu, méga feu, hein, c'est les sorts classiques de Final Fantasy. Et la même chose pour la matéria soin, donc dans le jeu d'origine on s'amusait à pex nos matéria, c'était plutôt rigolo. Ici ce sera plus compliqué parce qu'il n'y a pas de combat aléatoire, donc pour pex nos personnages on peut pas enchaîner des combats comme avant. Donc on verra bien comment on peut faire. Et puis voilà. Voilà. N'attends pas de t'effondrer pour t'en servir. Et puis ça, c'est pour récompenser le petit nouveau de sa témérité. Ça devrait te donner des palpitations. Bon, on se retrouve. Un éther et deux super potions. Ok. Y'a rien. Je vais farfouiller un peu partout. Y'a un coffre là. 50 giles. Je regarde si je vois des choses à récupérer. Je vois rien. Cloud, par ici! Regarde en haut! Je suis ici! Elle est là. Regarde, voilà. C'est pas stable ici, fais attention. Pour monter, faut prendre les escaliers là-bas. Où est-ce qu'on peut se réfugier? Là, encore un coffre. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait pas pris celui-là avec Tam 4 dans notre partie. Oh, tant pis, hein, mais. Y aller. Là, y a rien. Là-bas. Hop. Toujours Jesse qui avance.
Alors là, on n'est plus à Midgard. Hein. Ceux qui connaissent le jeu savent quelle scène ça représente. Et bien sûr, le personnage qui nous fait dos. L'un des méchants les plus charismatiques de la saga, hein, avec certainement Kefka de Final Fantasy VI. Avec son thème. Ça se peut pas. Qu'est-ce que je viens de voir? Cloud, avance, je peux le faire. Attends. Allez, mon petit. Bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute, j'ai un service à te demander. Cet astre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie, en silence, tout doucement, notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Si la planète meurt, là il revoit en fait c'est une scène assez si magnifiquement brûlé s'évanouira. Son village, tout comme le souvenir c'est Nibelheim, si je me rappelle bien, implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! Voilà, c'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. Je trouve cette scène excellentissime. Ça explique pas mal de choses quand on connaît le jeu d'origine. Et qui sont... Ça n'existe pas hein, en fait dans le jeu d'origine, ce passage. Mais c'est super bien trouvé de la part des devs. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. Alors normalement ici il n'y a rien. Là non plus, on peut enchaîner. Voilà, je peux pas courir. Ok, donc là, hop, c'est bien. Ok. Si. Nous vous prions de vous éloigner de ces lieux au plus vite. En outre, les secousses dues à l'explosion du réacteur Mako numéro 1. Ici, il n'y a rien. D'accord. Nous vous recommandons d'évacuer les bâtiments dans le calme et de vous en tenir à l'écart. Je répète. Hop là. Cette vie
C'est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Un ordre d'évacuation a été émis pour l'autoroute du secteur 8, ainsi que toutes les zones situées en dessous. Nous vous prions de vous éloigner de ces lieux. Il y a eu des dégâts, en effet. En outre, les secousses dues à l'explosion du réacteur. Ah, c'est peu de lien. Ont provoqué des incendies. Il faut au moins qu'on s'évacue. Nous vous recommandons d'évacuer les bâtiments. Alors, 3 potions. On refait un peu de stock, hein. Voilà, on est passé de l'autre côté des voitures. Il n'y a même plus d'autoroute. Ah, regardez, ici, il y a un... Le feu ne va pas se propager jusqu'ici. Surtout, restons vigilants. Il y en a ici aussi. Ah, je peux pas. Parce que là, en fait, il y a une matéria au sol. Et surtout, il y a des caisses à... Le suspect n'est pas loin. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention sur moi. Ah, je peux pas aller là, d'accord. Ça, avec Tam 4, c'est pareil, on l'avait vu. On n'avait pas essayé d'y aller. Et en fait, on peut pas du tout. C'est... Ouais, c'est bizarre. Bon, bah, en même temps, on peut pas. Hein. Alors, je regarde s'il y a des caisses à casser, des objets à récupérer. Ah, voilà. Une rencontre importante. Aussi. Tu ne saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Ouais. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui. Merci. Tu les as chassées. Alors je te dois bien ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Disons, pour marquer notre rencontre. Manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais. Alors, et c'est combien? Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton ça, cas... Ça, c'est le thème d'Aeris, hein, bien sûr, qu'on entend la musique derrière. Tu ne me dois rien. Hein? Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvaille. Je préfère t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors? Je ne me laisserai pas intimider. Ah! Tu crois que c'est un piège? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Ça, c'est des soldats de la Shinra. Mais ils ne les voient pas. À mon avis, on devrait se séparer. Au revoir. Ciao. Pousse ton épée par terre, lentement. Eh bien sûr. Ça va s'arranger. Adieu.
même pas forcé. C'est là que je peux aller récupérer la matéria du coup. Mais carrément en fait. On y va à fond. D'accord. Ceci est un message du bureau de la compagnie Shinra. L'autoroute qui passe devant la gare présente un important. Là, je récupère un matériel PV augmenté. Sont priés de s'en écarter dans les plus brefs délais. Pour accéder à la gare, veuillez. On est parvenu ici. Donc, on a loupé une matériel en fait. La circulation des trains pouvant être interrompue à tout moment, nous vous recommandons d'évacuer le secteur. Merde, s'il n'y a rien du coup ici avant de repartir. Dans le bon sens. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. L'autoroute passe devant la gare. Là, y a rien. Ensuite, Iris, elle est partie à droite. On va aller voir, justement. Un ordre d'évacuation a été émis pour l'autoroute du secteur 8, ainsi que toutes les zones situées en dessous. Un petit coffre. Super potion. Le suspect dont on nous a donné le signalement ne doit pas être loin. Je ferais mieux de pas rester dans le coin. Ok. On va aller en face. À une autre matéria. C'est toi le suspect. Je t'ai trouvé. Ici la 4ème brigade du secteur 8. Nous avons trouvé le suspect. Envoyez des renforts. Adieu. Trop facile. Alors on va faire ça, ça, ça. Faire ça. Esquive offensive. Rien à signaler. Toi là-bas. J'ai pris un petit peu cher, mais ça va. Deux chiens, c'est un peu chaud quand même. Poignée de force. Ouh, ça on va équiper. Alors voyons voir. Équipement. Augmente la force de 5%. On peut pas mettre de matériel dessus, mais je prends. Alors on va faire une petite sauvegarde, parce qu'il y a longtemps qu'on en a pas fait. Hop. On a 35 minutes, on arrive sur la fin de l'épisode. Là, y a... Et c'est pas de résister. Tu m'échapperas pas. Attrape-le. Poursuis-le. Tu nous échapperas pas. Adieu. Tu vas cramer. Très bien. T'es foutu. Ok. Donc là, je vais faire. Ça devrait aller. J'ai repéré le suspect. Je répète, j'ai repéré le suspect. Je suis prêt. On approche. Préparation au moment. Tiens. C'est fini pour toi. Paré au déploiement. Certains
Non. Tu vas crever. C'est le moment d'en finir. T'es foutu. Fini de jouer maintenant. Il faut pas le laisser fuir. Poussez-le. Calmer. Faut que je trouve un autre moyen. Je devrais pouvoir passer par les toits. Ah bien sûr. Alors, est-ce qu'on a des petits trucs à récupérer? Ce sera plus simple de passer par en haut. Déjà, une caisse ici. Voilà, deux potions, impeccable. En plus, j'en ai pas dépensé pendant mon fight. On restaure les points de magie. Fais le tour vite fait. Faut pas que je loupe quelque chose. Certains passages ont été fermés à la circulation. Suivez les indications et évacuez en empruntant les voies sécurisées. Je répète. Ceci est un message du bureau. Y'a rien. De la compagnie Sierra. Les mesures de sécurité renforcées. Là y'a rien. Ok, on peut y aller. Parfait ça. Ici y a rien. Allons-y prudemment. Je me suis trompé. Faire un petit feu sur lui là. Tu vas cramer. Parce qu'il nous embête hein. C'est fini pour toi. C'était couru d'avance. Ok. Alors là, il y a rien. Là non plus. Pas louper d'item. Hein. On l'a attrapé. Adieu. Déjà fini. Encore une médaille Mog, une potion. Alors les médailles Mog, c'est des objets un peu spéciaux apparemment. Je peux vous montrer ça, voilà, j'en ai deux. Une médaille sur laquelle figure un Mog, qui est un perso, enfin, une créature bien connue hein, des Final Fantasy. Elle a beaucoup de valeur aux yeux des collectionneurs. On verra bien à quoi ça nous sert à un moment donné ou à un autre. Alors là, il n'y a rien. Le suspect a été repéré dans le quartier résidentiel. Bloquez les issues et rassemblez les effectifs. On est tombé sur le suspect. Faut l'arrêter. Suspect repéré. Engageons le combat. Adieu. Oula. Et ça c'est bon. Adieu. Le voilà.
Alors ici. Potion. À voir s'il y avait des trucs sur les côtés. Des items à récupérer. Alors là apparemment, bah non. Ce côté. Il y a un coffre. Parfait. Un éther. En termes de vie, je suis comment? Moi, je suis bien. Tu ne nous échapperas pas. Le quartier est bouclé et nous savons où tu es. T'as intérêt à te rendre gentiment. Alors on va faire le petit sort de feu sur lui. Ah mince. C'est pas prévu. Ah j'ai plus de points de magie. Il est où? C'est le moment d'en finir. T'es foutu. Adieu. Parfait. C'était couru d'avance. Objet. Je vais me mettre un éther. Un petit sort de soin. Et on est bon pour la suite. Alors, j'ai rien oublié, on peut y aller. Ok, récupère de la mana, un coffre encore. J'aimerais bien avoir un éther, une super potion. Comment ils viennent m'enchaîner? Ah, je suis stun. Allez, Cloud. Tu vas cramer. Non, je peux pas. Chaud le capitaine.
Mais non. Enflamme-toi. Voilà. Parfait. Coincez-le. Ne lâchez pas. Deuxième brigade de secteur 8. Le suspect est piégé. Nous allons le capturer. Gamma. Eh mais... cette épée, je la... Eh oui, je suis trop fort. Je m'appelle Cloud. Je suis inquiet pour Cloud. Pourquoi il nous a pas rejoint ? Faites pas cette tête-là. Je parie qu'il s'en est tiré. Vous l'avez vu en action, il sait se battre. Faut bien le reconnaître, les soldats sont une classe à part. Mmh. Ouais, je pense qu'on devrait l'engager. Bougez pas. Je me suis fait du mauvais sang. Ah oui. Et qu'est-ce que tu foutais au juste, hein? Arrête, je suis bien sentimental. Sur des brigades de sécurité, alors je les ai baladés. Ça m'a permis de les tenir à l'écart de la gare. Trop cool. Mais ouais. Alors, tu vois la classe. Sur lui. Oh. Tu... Au fait, y a un truc que j'aimerais vous demander. Quoi? Vous avez déjà vu des ennemis invisibles? Hein? Hein? Comme des spectres, drapés de manteaux de fumée. Du coup, ils sont visibles. Ils apparaissent d'un coup. C'est quand on les touche, à mon avis. Une nouvelle arme de la Shinra? Dis plutôt que la truie t'a donné des hallucinations. C'est bon, oublie. J'aurais pas dû vous demander. Allez, on change de wagon. Eh bien, en tout cas, les loulous. Deuxième épisode riche en action encore. Hein. On va se laisser là-dessus. Moi j'espère en tout cas que ça, ce let's play qui s'annonce assez long, hein. Mais ça va vous plaire. Moi je m'éclate comme un petit fou. Ça me dérange pas du tout en plus de refaire ce que j'ai déjà fait. Et je m'amuse vraiment bien. J'espère que cette bonne humeur que j'essaie de donner dans ces vidéos, parce que des fois je suis tellement concentré sur ce que je veux faire, je veux tellement bien le faire, c'est pas évident. En tout cas j'espère que ça vous plaît, parce que c'est ça le principal. Bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.